Et salut tout le monde. Salut tout seul et salut les viewers. Ça va? Ça va, et toi? Ça va. Vrai que vous n'avez pas encore vu aujourd'hui, hein. Non. Très occupé Bon, aujourd'hui. ouais, pareil, très occupé. Ah, salut Doc, salut Matéanda, salut Arena, salut tout le monde. Pourquoi Docteur Nick? Docteur quoi? Doc, Docteur il veut qu'on Nick. l'appelle Docteur Nick. J'ai toujours pas compris pourquoi. Mystère. Bon, du coup ce soir, on se retrouve sans Ghost Mort, dans un excès calme. Voilà, plutôt moins calme. Donc on se retrouve pour cette troisième semaine de l'Avent. Bon, deuxième semaine avant Noël. Où nous allons parler ce soir de Messa, la Warframe, et le Dread, l'arme principale du Stalker. Que l'on peut avoir. Bien, gros programme. Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, étant donné que c'est la dernière Warframe en date, et il y a pas mal de choses à dire dessus en fait. Et puis le Dread, c'est pareil, le Dread est un arc qui est un petit peu pas, il est pas spécial en soi, mais il a des spécificités qui le rendent unique, et il y a pas mal de choses à dire dessus aussi. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est vraiment un arc un petit peu hors du commun, mais bon, après c'est pas l'arme ultime de Ultime Ultime, parce que bon, sinon on ne verrait que ça c'est clair et net. Non, mais il y a quand même des trucs assez sympatoches qu'on peut faire avec le Dread, effectivement. Oui, c'est pas MK1 Paris, c'est pas... Mais voilà, c'est ça. C'est vrai que il est plutôt pas mal dans son style, et c'est vrai que sur mon classement d'arc, parce qu'au final, je les ai tous montés, dont certains, dont deux que j'ai format, deux différents. Celui-ci occupe vraiment la première place. Bon, elle se fait talonner de pas loin par le Paris Prime, mais quand même, celui-ci, il a une touche supplémentaire quand même. Eh ben ouais, moi je sais pas. Je sais pas entre le Paris Prime et le Dread. J'arrive pas à me décider, mais bon. Ça reste des trucs différents, ça reste assez proche, il y a quelques pourcents qui sur les crits qui diffèrent. Mais honnêtement, il y a plus vraiment de différence aujourd'hui. Avant, il y en avait Ouais, bien quand même. sûr. Il y en avait quand même une petite quand même. Maintenant, c'est les crits que tu gagnes avec le Dread. Voilà, c'est un petit peu plus les dégâts maintenant sur le Paris, quoi. Mais bon, les chances de crit font partie quand même du DPS, quoi. Mais bon. Ouais. Donc voilà, alors qui c'est que nous avons sur le chat? Oh, bon, on a Deux, trois petites toujours les mêmes. personnes. Bon, ben on Toujours va. les mêmes, ouais. Ouais. Bref. On va commencer avec notre Messa alors. Ouais. On va Donc, commencer avec Messa. Messa. Mais si, Messa. Mais ça suffit, Doc. White, pardon. Et Doc aussi, là, qui m'envoie des messages sur Steam. Donc, Messa. C'est une femme, déjà, pour commencer. Elle est apparue donc à la dernière grosse mise à jour en date, donc l'update 15.5, Ouais. qui était donc une grosse mise à jour avec le gros événement avec Aladvé Mutaliste. On peut l'obtenir donc du coup en allant tuer Aladvé Mutaliste. On y viendra plus tard pour ceux qui voudraient savoir. Ça reste. C'est pas facile, mais c'est pas compliqué non plus pour l'avoir. C'est juste du farm comme d'habitude. Voilà. Donc, c'est une Warframe qui, et je dirais, quand on regarde les stats, c'est une Warframe qui est moyenne, on va dire, hein. Donc, elle a 375 points de vie au niveau 30, hein. 150 points d'énergie, 65 d'armure, 225 de bouclier, une vitesse de sprint de 1.1, 100 d'endurance. La polarité d'aura, c'est une polarité en V, et les deux polarités de mode sont des polarités en traits horizontaux. Donc quand je dis que c'est une Warframe moyenne, c'est que j'ai remarqué quelque chose, c'est que souvent les Warframes ont 300 points de vie, 300 points de bouclier, ce qui fait donc 600 points. Là, Messa, elle pallie à cette règle, elle a 375 points de vie, ce qui est plus que la moyenne, mais n'a que 225 de bouclier, mais quand on additionne les deux, ça fait 600 aussi. 65 points d'armure, pareil, c'est la moyenne, puisqu'il y a des Warframes qui ont 15 d'armure, d'autres qui ont 150, elle est entre les deux. Donc, C'était plus que nécessaire, je pense, vu le gameplay. ouais. Ah non, on pouvait pas la faire en carton avec 15 points d'armure, c'est Non, pas c'était possible. pas envisageable. Et elle a juste une petite vitesse de sprint plus élevée que les autres. Je pense que c'est très pratique d'avoir fait ça.
On expliquera pourquoi plus tard dans les builds quand on aura parlé des sorts. Voilà, donc c'est une orpheline plus ou moins moyenne. Petit fait notoire sur elle, c'est qu'en fait c'est la deuxième Warframe après Ashe qui possède en fait des armes inhérentes à la Warframe, c'est-à-dire des armes que vous n'équipez pas, qu'elle a d'office sur elle, mais qu'elle n'utilise que par le biais d'un sort, en particulier son ulti. Si vous, je sais pas si on les voit sur le stream, elle a en fait des revolvers qui sont planqués sous ses avant-bras. Voilà. C'est la même chose que Ashe qui, lui, quand il fait son ulti Tempête de Lame, il a des petits couteaux pour aller les planter dans le dos des méchants. Donc pour la crafter, il vous faudra, comme d'habitude, une cellule Orokin, des capteurs neuronaux, un morphique, un cristal d'argon qu'il faudra aller chercher dans le Void. La petite bagatelle de 2100 nanospores, 50 oxyum, ça par contre c'est un peu pénible à obtenir quand vous n'avez pas l'habitude, des packs polymères, des plaques d'alliage et des circuits. On compare un Zephyr qui sera beaucoup plus goûteux en oxygène comme 50. Je pense que pour le joueur random qui en aura farmé quelques-uns, qui en aura, je sais pas, moi, une dizaine, une vingtaine, je pense qu'il y retournera. Il retournera dans des niveaux Corpus et il fera les derniers sans trop de problèmes. Par contre, les 300, enfin les 900, je crois, au total, c'est. Je m'en souviens plus combien il faut, mais il en faut un sacré wagon pour Zephyr. C'est vraiment pas la même sauce quand Non, même. en fait, quand tu dis le wagon pour Zephyr, c'est parce que nous, on avait fait la recherche au laboratoire qui avait coûté énormément d'oxium Ah, mais aussi. même le craft Ah bon? Zephyr, Je sais il pas, est. je l'ai pas, elle m'intéresse pas. Non, le craft de Zephyr D'accord. coûte. Ouais, d'accord, bah, je le crois. T'inquiète pas. Voilà, et donc, comme d'habitude, le schéma s'achète au marché, et une fois que vous aurez crafté les trois parts, il vous faudra la petite cellule Orokin et 25 000 crédits pour la lancer. Et donc, paf, ça fait une Messa. Voilà donc grosso modo pour les stats et les deux, trois petits mots. Alors, j'ai aussi lu sur le wiki que Messa en espagnol ou en portugais, ça veut dire table. Donc, ouais, c'est Je vois pas pas... pourquoi ils ont cherché ça, ils l'ont mis dans le wiki parce qu'honnêtement, c'est. Je sais pas. Ouais. On va pas commencer à faire des mauvais jeux de mots. Heureusement que Ghostmore n'est pas là d'ailleurs, parce que là on aura déjà pris un métro entier de vannes pourra sur le nom de Messa. Ouais. Mais voilà. Donc bah ouais, on va directement passer au sort, parce que Messa en soi, elle est affiliée plus ou moins. On peut le voir, elle a un peu le look. Bon, hormis le côté jaune dégueulasse poussin qui ressemble à rien. Elle a quand même Oh, un elle est du peu un style look quand même. western, un petit peu western comme ça. Elle a son casque qui fait un petit peu bandeau en cuir, les deux revolvers, ça fait complètement cowgirl quoi. Et donc on va tout de suite voir ses sorts et voir qu'elle est très très orientée, bah justement, en anglais ils disent gunslinger, donc c'est pistolero en fait, je crois en français l'équivalent. Ouais, c'est très western, très. C'est bien, ça donne un petit peu un côté. Bon, d'un côté, côté élément, ils avaient terminé. Hein. On a fait l'eau, Ouais, on a fait le voilà. feu, on a fait le vent. Je C'était pense plutôt un que. retour aux armes Far West, compagnie. Je pense que là, ils ont mis. Ils ont. Enfin, je pense qu'ils vont commencer, j'en sais rien. Mais peut-être que ça va être le début d'un certain nombre de Warframe qui sont orientés à période, époque. Oui, bah. Ça pourrait être. Ouais, ça peut être un petit début, qu'on ait peut-être certaines femmes qui sont vraiment spécialisées dans le CAC, un petit peu, peut-être, par la Bah, on suite. a Excalibur, hein, déjà spécialisé dans le cac. Ouais, mais bon, on verra, peut-être que ça sera l'occasion d'en avoir d'autres. On verra. De toute façon, vu à laquelle, au rythme sur lequel ils les sortent, je Ouais, pense là on va avoir que. un petit retour sur les primes, hein, d'après ce que j'ai compris dans les Ouais. futures mises à jour et dans les dev streams que j'ai regardé. Apparemment, on va plus maintenant, ils vont plus s'orienter sur les primes. Et du Prime Access, Il y a assez de cochonneries qui sont sorties, hein, donc. ouais. Voilà. Allez, passons au sort de Messa. Alors, les sorts de Les fées, tu les Messa. fais? Nous les faisons, vous les faites? On les fait. On les Ok, fait. bah. Tu veux qu'on en fasse un sur deux? Non, non, vas-y, 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 balance, et puis moi j'en rajouterai si jamais. Parce que Messa, en fait, pour la petite histoire, Messa, j'ai craqué, je l'ai acheté avec des plates. Moi, j'ai craft. Voilà, moi j'ai acheté avec des plates parce que je voulais vraiment, entre guillemets, avoir l'exclusivité chez les flibustiers, de pouvoir la jouer et donner mes impressions. Parce que moi je suis un petit peu. J'aime bien ce côté
Western, bref, allez, c'est parti, balistique batterie. On va commencer peut-être avec ce qu'on ne voit pas en fait. Il y a des passifs en fait qui sont inhérents à Mesa qui sont Oui. pas listés en tant que compétences. Bravo d'ailleurs à ceux qui ont vu d'ailleurs ce qu'il y avait comme passif. Alors apparemment ça a été réduit. Ça a été un petit peu nerf depuis le temps. Les bonus sont réduits à 3 malheureusement maintenant. Il est à 10% plus 10% lorsqu'on a des pistolets de. Enfin, des dual pistols, donc les Akimbo Volto, Akimbo Lex. Vous avez 10% de cadence de tir en bonus. 20% de rechargement bonus, enfin de temps de rechargement. Pour tout ce qui est. Enfin, tout ce qui n'est pas dual, donc tout ce qui est single. Donc, du coup, un Bolto tout court, par exemple, au lieu d'un Akimbo. Et plus 50 de vie. 50 de vie, c'est. Bon. C'est toujours ça de prix, hein, quand on équipe une arme de mêlée. Ah D'accord. non, Et bonsoir Escatonner qui vient d'arriver. C'est quand l'arme de mêlée n'est pas équipée, pardon. C'était le petit détail du jeu. 50 points de vie lorsque l'arme de mêlée n'est pas activée. Donc. Bon, ça casse pas des briques et je vois que ça a été nerfé depuis le temps parce qu'avant il y avait une belle liste selon ce qu'on avait, si c'était un fusil, si c'était un arc, si c'était un lanceur, il y avait plein de trucs, maintenant ils ont rendu, il n'y en a que 3. C'est limite un petit peu frustrant qu'il ait nerfé déjà si tôt. Bah, ils se sont rendus compte qu'elle avait quand même un sacré potentiel de dégâts et donc ils ont quand même cherché 2-3 petits nerfs sans vraiment alourdir le nerf des sorts, des gros sorts quoi. Ouais. Pense qu'ils ont un peu voilà gratté de ce côté-là pour la rendre peut-être un peu plus fragile, mais toujours avec un gros potentiel de dégâts. Bon, de toute façon, après les nerfs, c'est comme tout. Il y a des trucs qui sont nerfs, qui sont up. Tout dépend de l'époque. Hein, c'est comme d'hab. Balistique batterie. Alors, en français, c'est tout simplement batterie balistique. Hein. Alors, c'est un skin qui se désactive. Ni plus ni moins. Il stocke un certain nombre de dégâts en fait qui sont un petit peu accumulés une fois qu'on l'active. Hein. Donc là on pourra pas le voir sur la vidéo en question, on le verra peut-être plus tard. Voilà, Il y a un petit en fait, compteur. voilà, quand on l'active, en bas à droite de votre écran, le logo du sort, en bas à droite qui est tout petit, quand vous allez tirer avec votre arme principale ou votre arme secondaire, j'ai testé, ça marche aussi avec l'arme secondaire, à chaque fois que vous allez tirer avec l'arme principale ou secondaire, ça va charger, en fait, ça va monter ce petit compteur qui va s'arrêter jusqu'à 100. Ça marche aussi Voilà. avec l'ulti, ça. Tu peux monter ton compteur de cette façon-là. D'accord. Donc 100%, ça va jusqu'à 100, 100%, c'est sur que des pourcentages. Au rang maximal, c'est 70% des dégâts qui sont, j'ai pas envie de dire convertis, mais ils sont un petit peu, on va dire, stockés. À 100%, c'est ajouté à 1600 dégâts. Quand c'est au rang max. Et donc une fois que qu'on a. Je pense qu'on peut le désactiver un petit peu quand on veut. Oui, c'est ça, on les a. Oh. Y a Moi, pas ça m'arrive vraiment de le de. laisser charger pendant 5 minutes et c'est seulement quand je vais avoir un gros problème que je vais leur envoyer la purée, quoi. Avec. Ça c'est vrai que c'est un skill qu'on peut laisser de côté. Ça ne bouffe pas plus d'énergie que ça. Ça en fait 25, ni plus ni moins. Il n'y a pas de durée, il n'y a pas de portée, il n'y a rien. C'est comme ça. Dans le cas de. Alors, après, une fois que c'est stocké, il suffira juste de le réactiver. Et le prochain tir, juste après, sera. Poum! Voilà, on l'a vu à l'écran, avec plein de petits traits. Sera augmenté des dégâts qui ont été chargés. Je vois qu'ils se sont pas tellement penchés sur la relation avec l'arme que tu portais en question et la quantité de dégâts que tu pouvais plus ou moins stocker.
Moi, je pense, parce que c'est un sort qui n'est pas affecté par la puissance de pouvoir. Donc, je pense que ce sort, en fait, ça va tout simplement aller jusqu'à 100% des dégâts. Admettons qu'avec ton dread, tu fasses 4000 de dégâts sur un mob en La coup blanc. puissance aura juste un effet sur La vitesse à laquelle se stack ce, le. ce que Voilà. ce, les dégâts qui seront stockés effectivement. D'accord. Et oui, donc je pense que si tu charges à 50%, que tu relâches et que tu tires la prochaine flèche, bah, au lieu de faire 4000, tu feras 6000. Tu feras 4000 plus 50% de Il 4000, donc faut compter 2000, aussi 6000 les quoi. 1600 de dégâts qui sont stockés en plus. Mais Ok, ouais. non, c'est pas aussi simple que ça en termes de calcul. Si on s'attarde au calcul, si on s'attache pas au calcul, bah, tout ça pour dire que c'est beaucoup plus qu'un tir doublé en fait, ce tir-là quoi. Enfin, ça sera plus qu'un tir doublé, ça sera vraiment quelque chose. Je pense un truc qui est situé un petit peu entre le x2 et le x3. Ouais. Ça doit être quelque chose comme ça. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas aussi simple que ça en a l'air, parce que Warframe nous a habitués à ne pas faire des sorts faciles à assimiler. Et c'est heureusement, sinon on ferait pas de talk show. Parce que du coup, ça ferait ci, ça et point barre. Donc il faut Voilà. savoir que ça peut être aussi chargé par les effets des modes de syndicats qui font des AOE. Ouais, le mode du hack, du Burstone, Donc ça peut compagnie. monter, alors ça doit monter vraiment très rapidement, là pour peu que t'en touches vraiment beaucoup. Ça Bah doit être écoute, vraiment sympa. tu sais, avec un hack qui a le mode de syndicat pour avoir le multishot, en un chargeur de hack, tu as rempli, si tu as bien touché toutes tes cibles, tu fais déjà 80% de la charge, hein, Ouais. avec tes 4 balles, donc. Donc il faut savoir aussi que on parle du HEC, donc on va se demander, mais si je porte un fusil à pompe, est-ce que le dégât sera ajouté à chaque plomb, ou est-ce que ça sera un tout et ça sera divisé par le nombre de plombs? Et la réponse est que c'est divisé par le nombre de projectiles. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionnerait bien davantage sur des balles seules, des fusils normaux, quelque chose comme Ou ça. des flèches. Des Voilà. flèches, je C'est pour pense ça qu'on a que. choisi le raid aussi, un peu peut-être, non? Ouais. Bon, il n'y a pas de relation, mais c'est vrai que. Enfin, pas de relation dans le choix de la Hey, t'arrives thématique. à sortir un critique rouge avec une charge de 100%, à mon avis, tu risques de faire un petit peu mal. À mon avis. Oh bah disons dans ce que j'avais prévu de faire en termes de gros dégâts, pour l'instant je pense pas que je vais changer de composition. Je pense pas que je vais choisir mais ça pour amplifier. Il y a vraiment besoin de l'équipe que j'avais fait. Enfin bref, blague à part. Non, ça fait un boost intéressant mais c'est pas le boost ultime. Hein. On a d'autres combinaisons qui peuvent être intéressantes. Ça peut être. Donc on l'active, on le désactive. Ça peut être désactivé pendant qu'on fait un ulti. Ça ne peut Ouais. pas être activé pendant qu'on fait un ulti. Bon, après, c'est pas forcément intéressant de faire pendant l'ulti, ça on le verra tout à l'heure. Bon, mais pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu de canarder dans tous les sens. Du coup, c'est pas intéressant. Je pense que ce skill a vraiment une utilité sur du mono-cible, sur. Des armes à Carrément. faible chargeur, mais qui ont des gros dégâts de base. Ça peut être utilisé entre autres, par exemple, ce qu'il faut savoir, je crois que tu l'as dit, c'est que une fois que vous l'avez activé, s'il est à 100%, et bien tant que vous ne le désactivez pas, la charge va rester à 100%, et c'est vous qui choisissez en appuyant sur la touche 1 de mettre cette charge de 100% dans votre arme, et donc le prochain coup fera les dégâts. Donc vous pouvez tout de suite en début de partie appuyer sur 1. Vous le chargez à 100%, vous gardez cette charge pendant 5, 10, 15, 20 minutes, et si vous avez Et une paf le mauvaise boss. situation, voilà, vous avez un gros boss, vous avez un. Ou alors si vous êtes en survie, en défense, que vous avez un Eximus super chiant qui apparaît au mauvais endroit, au mauvais moment, clac, vous appuyez sur 1, vous mettez donc la charge de 100% dans votre arme et vous lui mettez un coup. Et honnêtement, avec un hack, j'ai réussi encore à one-shot un mob niveau 74 l'autre jour, là, quand on faisait. De la survie, de la défense. Il y avait un Eximus 74, j'avais le HEC, il était chargé à 100%, j'ai eu quelques critiques avec le tir, bam, hein, au revoir. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment un espèce de coup de pouce
dans une mauvaise situation, c'est pas le sort que vous allez spammer en permanence, en permanence, en permanence, parce que vous allez voir que les autres sorts sont... Les autres sorts, eux, se prêtent plus au spam, entre guillemets. Donc, Effectivement. voilà, bah, Là, ça nous fait une belle c'est... transition. Oui. Donc, bon, en termes d'influence de mode, on va y éviter. La durée, pas intéressant. C'est pas un skill affecté par la durée, pas par la portée non plus. Efficacité, éventuellement, mais c'est pas dramatique de payer 25 d'énergie. Du moins, juste une rationalisation à la rigueur, ça peut être intéressant, mais ça vaut pas tellement le coup de s'y attarder. Et éventuellement la puissance pour monter à jusqu'à 100, 108%, pardon, 108% de dégâts stockés. Mais là, on peut se poser des questions quand même sur le pourcentage, c'est pas... Allez, Enfin, voilà. comment il s'appelle ce deuxième sort? Il s'appelle Shooting Gallery. Shooting Gallery. Alors, on va mettre sur pause. En français, c'est tout simplement... Oh, salle de tir. J'ai bien fait de jouer en anglais, tiens. Je joue salle de tir. Ok. Voilà, tout simplement, c'est un buff, hein, ni plus ni moins. C'est un buff qui est un petit peu spécial, qui est un petit peu décevant pour ma part, je trouve. Hop, on va revenir en arrière parce que c'est vrai qu'on a du mal à voir. Ben moi, au contraire, j'ai commencé à l'apprécier ce sort. Bon, bah en tout cas, bon, on va commencer par les stats un petit peu de. Et après, on débattra là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Au rang maximal, ce skill donne un bonus de 25% de dégâts. Il dure 30 secondes. Il a une portée de 16 mètres. On va expliquer pourquoi après le 16 mètres. Oh, salut Wayne, j'avais pas vu. La petite Bonsoir Wayne. spécificité, salut. C'est Wayne. La petite spécificité, c'est que la durée en fait est dispatchée envers tout le monde. C'est un buff qui va s'amuser à graviter autour de tout le monde. Alors je sais pas s'il fait juste un tour, voilà. Ouais, il Il fait fait un seul juste tour un et seul en tour. fait la durée totale du sort est divisée par le nombre de joueurs qu'il y a dans le bordel là dans la partie. Donc admettons que vous soyez 3 joueurs sur une durée de 30 secondes, il va rester 10 secondes sur vous et ensuite il va aller 10 secondes sur votre copain le plus proche et les 10 dernières secondes il va aller sur le dernier copain. Si vous êtes 4, et ben ça va chaque fois sur la warframe la plus proche qui n'a pas encore été buffée. Et ça fait juste un seul tour. Voilà. Un seul tour. Ouais, ça fait qu'un seul tour. J'ai fait plusieurs tests. D'accord, ça veut dire que si tu améliores la durée, en fait, le truc il va tourner beaucoup plus lentement en fait autour de toi. Oui, voilà. D'accord. J'ai jamais. Enfin, à vrai dire, j'ai jamais joué Bah sur la après, durée. J'ai jamais joué sur ça. y a peut-être des stats qui m'échappent, mais c'est vrai que comme j'ai fait pas mal de tests sur Messa, durée, portée, bidule, machin, c'est ce que j'ai constaté, c'est que. Plus le sort dure longtemps, ben plus il va rester longtemps sur toi avant d'aller sur un autre. Mais ce sera toujours proportionnel au nombre de joueurs et ce sera toujours équitable. Et parfois, le souci, c'est que ben, le buff s'en va quand t'as pas trop envie qu'ils en aillent. Voilà, donc additionné à ça, il y a donc l'histoire de la portée en fait. On peut remarquer qu'il y a une certaine distance entre la petite particule de lumière là qu'on voit à l'écran et puis soi-même, qui peut varier. Et les ennemis qui seront dans cette portée-là ne pourront plus utiliser leurs armes de longue portée, ou si ce seront ou si ce sont des infestés par exemple, ils seront stun en fait. C'est, je pense, l'effet qui est le plus intéressant au final. Voilà, ça peut être super 16 mètres quoi, intéressant. 16 mètres de Ouais. rayon. Ça peut être super intéressant pour endiguer les gens qui viennent vous embêter en mêlée, par exemple, alors que vous êtes en train de lancer votre ulti. Ulti qu'on va décrire en quelques minutes, mais ça peut être super pratique, ce sort-là. Donc c'est affecté par... Alors le boost de dégâts est affecté par la puissance. La zone sur laquelle vous stunnez les ennemis, tout ça, vous les rendez un petit peu, vous les incapacitez, et fonction de la portée, la durée affectée par la durée, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est affecté par tout ce genre de choses. Ça peut pas être casté pendant que c'est actif. Voilà, c'est un peu comme un buff, n'est pas tombé, vous pouvez pas le relancer. Effectivement, vous pouvez pas dire, mon buff est parti.
Je le recaste pour le ravoir sur moi. Non, il va falloir Voilà. attendre qu'il fasse le tour de tout le monde avant de Voilà, le c'est rincer. comme d'habitude, il a un temps de recharge qui est égal à sa durée en fait. Donc voilà. Donc pourquoi le trouves-tu si prodigieux? Bah justement, claquer ton ulti, tu lances ce truc-là juste avant de claquer ton ulti, ça va te donner quand même le temps déjà de te mettre en position. Enfin moi, voilà, on va peut-être parler des sorts et je t'expliquerai après pourquoi le combo Shooting Gallery et Peacemaker est tellement sympa en fait. Surtout contre les infestés ou quand tu rentres dans un gros tas de mobs. Ok, ça marche. Alors, Shattershield. prochain skill, Shatter Shield, bouclier bondissant. Un bouclier qui bondit, c'est bien. Hop, donc on va faire un petit stop sur la vidéo. Désolé, Doc. Non, tu n'as pas planté. C'est moi qui fais des pauses. Pause. Voilà. C'est un bouclier qui est censé. Parce que bon. J'avais eu des doutes pendant un moment. J'aime pas trop jouer avec des skills aussi critiques que ça, dont l'utilité peut être quoi, parfois un petit peu trop utile, alors que ça fonctionne pas forcément au départ. Donc en gros, ça réduit les dégâts et ça les renvoie à leur propriétaire. Au rang max, c'est 80% les dégâts qui sont réduits pour 25 secondes de durée. Savoir que la réduction de dégâts peut être augmentée par la puissance des sorts, mais la Mais puissance des sorts n'affecte pas les dégâts qui sont renvoyés aux attaquants. voilà, effectivement. Ça reste 25%, quel que soit le niveau du sort, quelle que soit sa puissance, ce sera systématiquement 25% des dégâts du sort qui sera renvoyé à son propriétaire. Voilà, et puis il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on démarre avec 80% de réduction de dégâts qui est assez haut, donc on pourrait penser avec de la puissance qu'on pourrait tâtonner les 100%, ben en fait non, Non. c'est capé, c'est Ah ouais, c'est pas capé, mais il y a un rendement décroissant. Plus on s'approche des 100%, plus il faut de puissance de pouvoir pour monter de quelques 0, machin. Au début, ça monte très vite. On peut, je crois, très vite atteindre les 85%. Et puis après, enfin voilà quoi. Enfin, tout ce qu'il faut savoir, c'est que ça sert à rien de booster à fond la puissance des sorts pour ce sort-là. Vous dépasserez. C'est quoi de nouveau le cap? 95%. Voilà, vous n'arriverez pas à dépasser les 95% si vous mettez tous vos modes maxés à fond, ça marchera pas. Je sais pas quel. Enfin, ça veut dire que c'est possible. En théorie, ça aurait été possible de l'atteindre. Donc, je pense qu'un intensifié simple, ça doit peser dans la balance suffisamment, quoi. Voilà, et Les chances je de le rappelle, statut sont ça aussi. ne renvoie que les balles, ça ne renvoie pas les coups de mêlée, et il me semble qu'il y a certains sorts de distance, comme par exemple les nouveaux infestés là qui crachent des flaques, ça ne renvoie pas ces dégâts-là. Ça Mais ça envoie ne pas vous les protège pas dégâts, de ces dégâts-là. mais ça envoie le statut. Ça renvoie le statut par contre, Ça oui, envoie ça le oui. statut, ça. C'est autre chose. Bon, après, c'est. Ouais. Encore. Enfin, oui, c'est bien encore le statut. On peut se permettre de prendre quelques dégâts. Donc voilà, c'est une bonne arme. Un bon skill pour, comme on voit à l'écran, tracer tout droit. Sous réserve de savoir qu'est-ce qu'on fait quand même. Parce que, bon, tracer tout droit, c'est bien, mais. Alors on a que 25 secondes devant nous dans l'histoire. Donc voilà. Après, en termes de maximisation, on peut maximiser la durée sans effet négatif. On peut le monter à 64 secondes, qui n'est pas si mal que ça. On peut. Alors, le skill coûte 75 d'énergie. On peut améliorer un petit peu l'efficacité, donc le coût. On peut le réduire à 18 comme contrepartie, le fait qu'il ne dure que 10 secondes, ça c'est pas forcément très très génialissime. La portée n'a aucun effet positif, donc on va passer. Et augmenter la puissance va caper la réduction de dégâts à 95%. Il suffit juste d'avoir en fait un intensifié rang 3. Donc même pas maxé pour atteindre ce cap en fait. Donc j'ai envie de dire
Je pense que c'est assez judicieux de faire juste un intensifié pour ce. Dans ce cas-là, peut-être un petit peu de durée, mais. Disons que c'est un skill qui est pas si difficile à monter. On a perdu Jekyll. Non, 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 Malaise. je bois tes paroles, excuse-moi, je bois tes paroles. Bois. Bois. Oui, non, Shatter Shield, c'est vraiment un sort que j'utilise. J'utilise pas pour tanker. Alors attention, là, c'est vrai que dans la vidéo, on voit le mec qui met son Shatter Shield, il fonce dans le tas. Ouais, allez, YOLO, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est. Moi, je l'utilise pas du tout comme ça, parce que là, je sais pas, pour faire la vidéo, il devait avoir une Messa niveau 30 et claquer ce sort-là devant des grenades niveau 10, à peu près, je pense. Peut-être, je ne sais pas. Honnêtement, c'est pas un skill sur lequel je me suis basé principalement. Peut-être sur ulti, claquer ton ulti de façon safe, tu claques ton 2, ton 3 et puis tu te mets sous ulti et puis voilà. Ça serait la combo idéale, j'ai envie de dire. Et pour le bon moment, c'est un skill qu'apparemment était buggé au départ, qui a dû être patché. Il faudrait que. Mais comme je t'ai dit, c'est délicat parce que tu vas te dire, bon, ce skill il marche. Tu vas l'enclencher, tu vas tracer et tu vas tomber. Voilà. Oui, voilà. C'est. On appelle ça un fail. Ouais, c'est un truc que je ne veux pas trop tester, à vrai dire. Je testerai peut-être éventuellement Bah, on va à dire que l'occasion. c'est vachement efficace au début, même des mobs niveau 30, 40, mais quand on va vraiment commencer à jouer très haut niveau, même 90% de réduction de dégâts, ça vous permet pas de sortir à la Léonidas, This is Sparta. Non, tu vas quand même te faire ouvrir en deux. Faut pas oublier qu'elle a que 65 d'armure. Voilà quoi. Et donc, bah on va enchaîner avec Pacificateur qui est l'ulti. Peacemaker, Voilà. l'ulti qui m'a. Il m'a fallu une visseuse pour revisser ma mâchoire parce que j'avais la gueule par terre quand j'ai utilisé pour la première fois. C'est vrai qu'il est sympa sur la posture adoptée, quoi. C'est. Alors, explique-nous ce que c'est, en quoi ça consiste, à part le fait que c'est magnifique et qu'elle prend des poses C'est absolument badass. géniales pour défoncer de l'ennemi. Alors, je vais faire une narration image bien bien choisie. S'il te plaît, je t'en supplie. Ouais, c'est dur parce qu'il faut trouver le bon moment pour arrêter la vidéo. Là, je sais plus combien de postures en plus. Ah, tout dépend de là où ils sont en fait, parce que j'ai remarqué Oui. que si t'as des mobs qui sont tout le temps dans le même coin, bon bah ça sera les guns parallèles. Par contre, s'il y en a qui pop de part et d'autre, ça va être commencer à être Attends, je vais astistique. retrouver un de mes screens et je vais le poster. Je vais le poster sur le chat. J'avais pris un screen où elle est tranquille en plein milieu de la mêlée. Je vise à droite, je vise à gauche, les bras tendus comme ça, la tête un peu baissée. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce Dégage. qui se passe? Ah, le gosse marqué là. Ouais, je suis allé lui donner un PC portable. Là, il arrive à écrire avec les mains attachées, c'est bon. Bon, passons aux stats maintenant. Alors, faut savoir que pendant ce skill-là, c'est Messa qui équipe ben, ces pistolets qui s'appellent les régulators en anglais. Ça doit être sans doute les régulateurs en français. Donc, vous avez absolument aucun S'appelle la douane, contrôle. ça en français, non? Pardon, c'était Donc, facile. vous avez aucun contrôle grosso modo sur les taux de crit, sur les dégâts que ça puisse faire. Hein. C'est tout simplement juste un multiplicateur de dégâts qui. Plus on monte de level, plus le multiplicateur de dégâts augmente. Rang max, le multiplicateur est à 200%. Ça prend en cible bah, absolument tout ce qu'il y a dans une portée de 50 mètres. Et tout ce qui est en visu, c'est-à-dire si vous avez un mob qui pointe le bout de sa fesse gauche de derrière une caisse, Eh ben elle le le voit. paf! Mais ça le voit. Donc c'est un sort qui est automatique. Vous maintenez le clic gauche enfoncé une fois qu'elle est en position de tir. Dès que quelque chose se présente devant elle, ça envoie. Voilà. Donc tout le temps avec 100% de précision. C'est pas va tirer, va rater, non, c'est 100%. Après c'est tout ce que vous voyez. Par contre, ça c'est vraiment quelque chose de qu'il faut dire. Ça sert à rien de se mettre voilà sur un pylône, voilà, visible de tout le monde.
Ça, c'est une des erreurs que font les gens. Ils pensent que de se mettre forcément, parce que en fait, ce n'est pas des balles, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas des balles classiques. C'est une compétence, en fait. Ça veut dire que vous pourrez tirer à travers en étant Voilà, je derrière le une savais. caisse, Je le savais. derrière une caisse, derrière même dans une boîte. Vous aurez votre caméra. Avec votre caméra, vous voyez tout ce qui se passe à côté. Claquez l'ulti, ça passera à travers. Donc, ça peut toucher des mobs qui sont dans une bulle de frost, alors que vous êtes à l'extérieur. Comme vous pouvez être dans une bulle de limbo ou être dans le rift de limbo et toucher des mobs qui sont à l'extérieur du rift. Donc vous pouvez passer à travers parce que c'est une compétence et que c'est pas des balles. Donc il Voilà. faut savoir que durant la compétence, vous avez l'énergie qui est drainée, hein, tout simplement. C'est un petit coup d'activation, je crois. C'est pas énorme. C'est pas terrible, c'est 25. Ça draine 15 d'énergie par seconde. Et ça va en drainer autant de temps que vous restez dans cette posture-là. Vous pouvez le désactiver quand vous voulez. Ou jusqu'à éteindre extinction d'énergie, bien Extinction sûr. d'énergie. Donc vous ne pouvez pas recevoir d'énergie de votre siphon d'énergie, comme vous ne pouvez pas en recevoir du vampire d'énergie de Trinity. Mais les seules possibilités de régénérer de l'énergie, bah c'est d'être dans le rift de Limbo ou ce qui m'arrive assez souvent d'ailleurs, si vous avez un Cubron, un Saaza qui déterre quelque chose juste à côté de vous et que par hasard c'est des orbes d'énergie, et bien vous allez les avoir. Et vous allez rester plus longtemps. Et ça, c'est une combinaison que j'aime bien, ça, honnêtement. Ça marche aussi avec le carrier, hein. Si vous avez le carrier qui est aspirateur à fond, il chope de relativement loin les boules d'énergie aussi, hein. Honnêtement, c'est conseillé parce que ça peut arriver à un certain moment que vous aurez besoin de vraiment de beaucoup d'énergie. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a de bien spécial? Donc les dégâts du dérégulateur, c'est composé de dégâts de slash, de perfo et d'impact. Ces chances de critique sont vraiment indépendantes à l'arme elle-même. Ouais. La portée n'est pas affectée par des modes de portée. C'est toujours Non, c'est 50 50 mètres. mètres, quoi qu'il arrive. Ça ne sert à rien de mettre un super étendu en pensant que vous allez tout avoir. Totalement fou, c'est 50 mètres et c'est déjà beaucoup. Par contre, le multiplicateur de dégâts est affecté par la puissance. Donc, vous pourrez sans problème mettre une rage aveugle dessus sans avoir peur de la contrepartie. Et donc, on va enchaîner d'ailleurs Sur le build, si vous avez des builds, n'hésitez pas à les poster, on passera dessus après qu'on ait montré le nôtre. Et donc j'en profite pour dire que le temps de cast de Peacemaker, c'est quoi, ce pacificateur? Le temps de cast est de, je crois, 2 secondes, ce qui est un des sorts les plus longs du jeu, les plus longs à caster. Et donc du coup, c'est là que la combo avec le 2, je me rappelle pas du nom du sort. Shooting Gallery. Shooting Gallery, voilà la combo avec ce sort-là Salle de qui permet de d'étourdir les mobs de mêlée ou de désarmer ceux qui ont des armes à feu est très intéressante quand tu fonces dans la mêlée. Tu peux foncer dans la mêlée en mettant ce buff-là, et pendant que le buff gravite autour de toi, je veux dire, dans le meilleur des cas, il va graviter autour de toi 5 secondes. Ces 5 secondes suffisent à te poser dans la mêlée, à lancer ton ulti et à commencer à dépop tous les mobs avec l'ulti qui sont le plus proche de toi. Je sais pas si tu l'as dit, mais il me semble, moi, qu'elle attaque les mobs les plus proches d'elle en priorité. Non, ça m'est déjà arrivé d'avoir des mobs au cac et que je priais pour qu'elle ait cible. Ah bon? Ouais. Oh, moi j'ai jamais eu ce souci là, justement. Après, je mets ça sur le compte du lag aussi, des fois. Hein. C'est vrai que des fois, elle va taper un mob qui a 10 km et il y en a un qui sort de derrière une caisse, et le temps que, je sais pas, Oui pour le lag. Oui pour ma le lag. latence. Parce que dès que je suis lot, j'ai tendance à canarder, mais fortement, mais très fortement. Alors que sur des parties, il peut m'arriver que je mette des coups un petit peu plus lents. Donc ils ont changé aussi. Avant, il fallait bourriner le clic gauche. Maintenant, il suffit juste De de maintenir la laisser touche appuyer. enfoncée. Vous laissez Voilà. appuyer et
N'ayez pas peur d'avoir le doigt dessus en vous disant bon bah je relâche parce qu'il y a un invisible. Je crois que la personne qui a le plus, enfin du moins le personnage qui a le plus, qui a des vrais yeux dans le jeu, bah c'est elle. Ouais, C'est c'est ça. 50 mètres, il y a un truc qui dépasse, un cheveu, pa, pan Bah, je vous cheveu. ai dit, un morceau de fesse droite ou fesse gauche de Grainir, elle le voit. Ça, des fois, je vois des pans avec des dégâts et des morts. Je dis, mais putain, mais il était où ce mob-là? Ouais, c'est ça qui est génial. Ouais. Donc voilà. Allez, passons au bi-build. Si vous en avez, postez-les, c'est le moment. Donc, mais ça arrive déjà avec une polarité en V, ce qui est pas si Voilà. mal que ça. Polarité d'aura, ouais, qui peut partir sur un fusil amplifié ou sur une charge d'acier. Alors, Alors et ça. j'ai un petit peu quelques doutes quand même sur l'efficacité du fusil amplifié, honnêtement, sur la. Sur l'outil, parce que comme on a dit, c'est une compétence, c'est pas fusil à part entière. Non, et puis en plus de ça, Donc moi faudra pas y compter sur l'outil. je joue avec le HEC et du coup ça ne prend pas en compte le fusil à pompe. Le fusil amplifié, c'est pour ça que moi, mais ça en ce moment, je suis en train d'hésiter. Je suis en train d'hésiter pour le lui faire un format de sa polarité d'aura en fait. Tu pencherais sur quoi? Sur un siphon pour avoir de Un la régène entre siphon deux? ou même un rajeunissement parce que j'aime bien jouer rage avec elle. Elle a plus de points de vie que la moyenne, donc je pars sur une vitalité, une fibre d'acier Est-ce que tu régènes de et une rage. l'énergie pendant que tu fais ton Oui, ulti et que tu tout à prends les fait. dégâts? Tout à fait, tu régènes ton énergie. D'accord, donc ça. Puisqu'en fait, c'est considéré, si tu veux, comme des dégâts qui te sont infligés. Le regain d'énergie est considéré comme une infliction, ça se dit? Une affliction, Une infligation l'infictionnage. un infligation de dégâts. Étant donné que c'est basé sur le fait que 40% des dégâts que tu prends sont rajoutés à ton pool d'énergie. C'est comme ça que ça fonctionne la rage en fait, hein, pour ceux qui ne sauraient toujours pas, puisque j'en parle au moins 10 fois par talk show. Et donc du coup, ben, c'est pas considéré comme une régène d'énergie, à proprement parler. Et donc ça marche, tu peux te retrouver en ulti. Bon après, le souci c'est que elle est quand même relativement fragile, elle n'est pas non plus en papier cartonné, mais elle est fragile, donc tu vas pas tenir non plus 150 ans sous la rage, mais ça peut au moins te permettre de rester plus longtemps debout et Plus le temps d'ulti et puis de de caler maintenir la. ton ulti plus longtemps. Ouais. Ouais. Donc là dans le build, au choix, c'est. On peut partir effectivement sur un fusil amplifié, mais il faut pas y. Faut pas partir dans l'idée que ça va vous servir pour votre ulti, quoi, en gros. Ghostlord, Charge d'acier je pense aussi. que t'as raté la partie, une grosse partie du début du stream quand on parlait des sorts de Messa. Quasiment tous ces sorts sont affectés par la puissance maintenant, pour pas dire tous même, je crois. La puissance a des effets, mais pas sur les dégâts. Ça va avoir des effets sur le. Comment dire? Bon, on va pas faire un rappel dessus, mais en tout cas, ce qu'il faut que tu saches pendant Ghostmore, c'est que maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des tests dessus, la puissance des sorts affecte tous les sorts de Messa. C'est vrai que la polarité entrée, ça peut ouvrir quand même ça peut ouvrir aussi la protection corrosive aussi. C'est un mode qui est Ouais. quand même un petit peu demandé sur les certains voids. Mais bon, après c'est vrai que ouais. Après, sans polarité peut-être. Ça peut être un choix intéressant quand même de ne pas mettre de polarité dans le sens où si t'as envie de polariser. Enfin, d'avoir un gameplay un petit peu comme tu veux sans être pénalisé d'avoir une polarité spécifique en aura, tu te dis bon, tiens, on va l'enlever la polarité de l'aura. Puis après, ça peut paraître con, mais c'est l'aura qui te. Il existe une aura pour détecter les ennemis, non? Oui. Bah, ça peut être sympa avec l'ulti. Tu te dis là, il y a plein de points rouges sur ma carte. Allez, je me mets en ulti. Ta carte fait moins de 50 mètres de large. Oui, c'est pas faux. J'ai Ouais, tout compris, mais c'est pas faux. c'est voilà. Donc on a deux polarités en trait. Donc on va pas taper dans la longe parce qu'on vient de dire que la portée n'est pas
n'est pas intéressante pour ce qui est d'ulti. Alors oui, il va falloir choisir un petit peu qu'est-ce qu'on veut monter. Moi je pense que le meilleur atout de cette Warframe là, c'est vraiment l'ulti. C'est quelque chose d'assez super, on va dire. Ah, il y a Ghost Mort qui est entrecoupé, c'est bien. Il a un mot, un autre mot. Oh là, il va marronner parce que. Chérie, ça va couper. Attention, il va faire noir. Alors. Ben, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va mettre un flux. On va avoir besoin à la fois d'un pool d'énergie et à la fois d'un coût réduit. Mais je pense pas d'un coût réduit à coût d'expertise éphémère. Non, je pense pas. Je pense que Parce que Stream. c'est vrai que le nerf de la durée de pouvoir dessus, ça rend vraiment assez ignoble les deux autres compétences quand même. Le 2 et le 3, ouais. Ouais, ça les nerf, ça touche vraiment trop fortement. C'est quand même 60%, certes. Mais voilà. Flux rationalisation, c'est un petit début, on va dire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Une belle vitalité, une petite rage, parce qu'on met de la rage de partout. Ouais, non, mais il existe de très bons builds sans rage, hein, bien Ouais. entendu. Mais comme moi je joue souvent, quand je joue à Warframe, c'est pour faire des grosses parties, c'est pas pour aller faire trois pauvres missions qui sont torchées en 5 minutes. Donc, du coup, il y a du mob de haut niveau. Et c'est là que la rage fait son effet, quoi. C'est clairement un mode de tanking aussi, hein, puisque 40% des dégâts, tu les prends pas. Intensifié, c'est Intensifié, oui. la base. Alors, est-ce qu'on peut partir sur un courage passager, transient de fortitude? Éventuellement, c'est vrai que ça fait un petit nerf, ça fait un up de 25% de puissance pour 12%, c'est moins beaucoup moins violent que les 60%. Moi, Voilà. je pense que ouais. Je pense Comme que ouais. ça, on met une bonne puissance de pouvoir. Alors après, c'est vrai que après on a le choix parce que c'est vrai que du fait que certaines compétences n'interviennent pas dans l'outil ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'on a quand même assez le choix quand même. Parce que c'est vrai que dans d'autres cas, on serait amené à dire ouais, bon, on aimerait tout mettre, tout ça. Là, on pourrait partir sur une continuité si on veut un petit peu plus donner un petit peu d'avantage sur les buffs. Comme on pourrait partir sur un talent naturel. Un talent naturel pour justement le cast en question. Le cast qui est quand même assez long. Une chose que j'ai pas dit d'ailleurs sur le cast, ne vous amusez surtout pas à le caster pendant que vous êtes en train de faire une roulade dans l'air. Il n'y a rien de pire pour retarder le cast. C'est ignoble. Parce Jamais essayé. que tout simplement, ça va faire un espèce de michouille. Il va ressortir son âme primaire. Puis il va faire un espèce de michouille. Il va chercher ses armes, tout ça. Ça vous fera une durée de cast de 3-4 secondes. Ça fait limite planter votre personnage, quoi. Vaut mieux que vous atterrissiez, claquez l'ulti, avec, je sais pas moi, une demi-seconde de temps de temporiser. Et là, mais ça va vraiment prendre, ranger son arme, sortir les pistolets, et hop. Mais ne faites pas tout en même temps, surtout. Donc on a le choix. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Moi je ne pense plus, mais ce que je pourrais te conseiller, t'as mis une fibre d'acier déjà? Alors, nous allons mettre, encore mieux, on va mettre une continuité prime. Non, je déconne. Ne me tape pas. Ne tape Non, je pas, te j'ai un tâche. cœur. Ne tape pas. Non, je te taperai dans les coulisses après. Ouais, donc une fibre d'acier peut-être. Fibre d'acier, talent naturel. Voilà. Si vous avez envie Étalant d'avoir. naturel.
Si vous avez envie d'avoir des castes super rapides, voilà. Bah, Et là. casse super rapide, sans déconner, l'ultime même avec le talent naturel maxé, c'est encore relativement lent, hein. Et là, Enfin. tu vois. Là, tu vois. Sur ce build là, quoique il reste quand même. Il reste quand même. C'est la fibre d'acier qui n'est pas montée. Hop là, fibre d'acier. Je pense que là, tu vois, on pourrait se permettre justement de dépolariser le slot. Il nous reste Tu restes 7 combien de points là? points. Allez. On pourrait éventuellement faire pop une polarité en V et dépolariser l'aura. Et à partir de là, tu pourrais mettre toutes les auras que tu veux et. Ouais, oui, ça se tient. Ou une polarité en D, justement, pour supporter un petit peu mieux la fibre d'acier, justement, un petit peu mieux se spécialiser sur fibre d'acierage. Mais bon, après, c'est pas primordial parce que c'est vrai que quand même, on n'avait que 65 d'armure à la base. C'est vrai que là, les points qu'on gagne d'armure, c'est pas vraiment le truc super transcendant de la mort. Donc au choix, soit une V pour l'intensifier ou une D pour la vitalité, bon, c'est pas importe parce que de toute façon dans tous les cas, ou sinon pour, ouais, non le courage passager on le laisse à 4 quand même, c'est pas, c'est vrai que ça nerferait la durée un petit peu, ou sinon on peut quand même partir sur un courage passager continuité, de sorte à avoir un équilibre, ne pas perdre de durée, mais à côté booster la puissance. On pourrait Oui, partir la là. Ghost Mort avec Trinity, ça passe avec un seul format, la dépolarisation. Mais le truc, c'est que Messa, on part pas trop sur des modes corrompus. Toi, je crois que tu utilises quelques modes corrompus. Là, on a juste Courage Passager dessus, en corrompu. Voilà. Bah, écoute, oui. Vie à quoi? Vie à quoi? Vie, on a terminé pour ça. On a terminé pour Messa, je pense qu'on va pouvoir passer au Dread. Si vous avez des questions sur Messa, des choses que vous n'auriez pas compris sur les sorts, ou tout simplement des builds, ou des choses que vous avez vécues avec, en compagnie de Messa, surtout n'hésitez pas, on en parle, on en discute. On va juste continuer un peu à avancer, puisqu'il est 18h22, 23. Donc ouais, il faut continuer à avancer. Moi personnellement, message j'aime beaucoup. C'est Noirfang qui peut faire du solo. Elle n'a pas de capacité de régénération ou vraiment de protection à proprement parler, à part son Shatter Shield pour envoyer les balles. Mais elle se prête au solo parce que c'est une Noirfang qui requiert quand même un gameplay assez nerveux, assez rapide. Parce que justement, si vous traînez un peu trop à découvert et que vous êtes contre des corpus par exemple, ça peut faire mal. Mais je sais que j'ai fait quelques missions de syndicat, des exterminations de syndicat niveau 34 tout seul. C'est passé comme une lettre à la poste ou comme. Non, je vais pas le dire, il est encore trop tôt. Je pense voilà, à. donc, oui. Oui. C'est un truc avec maman, avec papa Papa, maman. et le mot dedans dans la phrase. Enfin bref, mais. Voilà, donc c'est vraiment Warframe que j'apprécie beaucoup parce qu'ils ont réussi à créer quelque chose, je dirais même d'assez puissant à la belge, pour faire quelque chose de qui fait des dégâts sans forcément avoir de la régène, de la protection et être efficace en solo. Et donc je vous raconte pas en gros parce que ça peut donner. Hein. Je suis justement une fois tombé sur un super build Trinity, Oberon, Messa. Il y a Joko 30, salut à toi. Et Joko 30. On l'a réveillé. Ouais, on t'a réveillé, voilà. Donc, Re re escatonnerre. Bonsoir, Joko. va passer Et sur le voilà. dread. On va passer sur le Dread, voilà, tout à fait, le Dread. Donc, le Dread. Le Dread. Le C'est quoi Dread, le c'est le Dread? Dread. Le Dread est un arc. C'est un arc assez spécial parce qu'il porte un petit peu la marque du Stalker, celui Et qui un ouais. petit peu vous traque tout au long du jeu en vous disant des choses un petit peu malsaines et en vous disant que votre heure est venue et que parfois ça arrive. Que vos actions ont des conséquences. Aussi, voilà, des Et moi, petits. une fois, je lui ai répondu
bu et il a rien compris à ce que je lui dis. J'ai dit, s'il vient me taper sur la gueule, forcément, il fera un acte qui aura aussi des conséquences. Donc il faut qu'il arrête. Voilà, Inception. moi, ça s'annule au bout d'un moment. Enfin bref. Warframe Voilà, Warframe Inception by Captain Jekyll. Allez, donc c'est un arc qui Inception. s'obtient auprès du Stalker. Pour obtenir cet arc, en fait, il faut tout simplement aller farmer des boss. Donc il y a un boss sur chaque planète sauf sur Terre. Et au bout d'un moment, vous allez recevoir un mail du Stalker qui va vous dire vos actions ont des conséquences. Et Et à donc, du coup, partir vous de serez là. marqué par le Stalker. Donc, à chaque mission que vous allez faire, il y aura une faible probabilité que le Stalker vienne. Et vous le saurez parce que vous aurez des petits nuages noirs qui vont commencer à apparaître sur votre écran. Et il va tout d'un coup se mettre à vous parler. Puis il apparaîtra. Et il va vous faire très mal si vous n'êtes pas préparé. Donc généralement quand quelqu'un a le stalker, il l'annonce sur le chat. Il va mettre un waypoint avec la touche G pour dire attention, je me mets là. Donc tout le monde se réunit au même endroit et on l'attend. Et bon maintenant il est relativement simple à tuer, mais avant il était beaucoup plus difficile que ça. Et donc, le stalker, si vous arrivez à le battre, donc s'il arrive à vous tuer, il vous fait très mal. Hein, donc s'il arrive à vous tuer, il s'en va tout de suite. C'est une grosse salope, il s'en va. Et si jamais vous arrivez à le battre, il y a une faible probabilité qu'il arrive à se barrer avant, en fait. Ah, juste avant que vous le tuiez, en fait. Auquel Call cas, to you aussi. vous n'auriez pas de loot. Ça m'est déjà arrivé, et je peux vous dire que c'est vachement rageant. Ah ouais. Donc, il va dropper au hasard une de ses trois armes, donc soit le Dread, son arme principale, soit les Despers, ces espèces de kunai qui lui sont propres, donc arme secondaire, ou le Desper, qui est en fait une faux, donc son arme de mêlée. Donc au hasard, il va lâcher une de ces trois choses, ou si vous n'avez pas de chance, il va vous lâcher un mode rare, mais qui vaudra jamais l'efficacité du Dread, par exemple. Ouais, mais c'est Donc vrai pour le train. Ouais. que le Dread il tombe quand même assez souvent quoi. Ouais. C'est vraiment une fois que vous l'aurez, vous allez un petit peu exulter, certes, mais après lorsque vous allez le revoir, vous allez dire ah ok. Voilà, donc Le qu'est-ce qu'il vous craft. faudra pour le crafter? Il vous faudra 6 morphix, 900 circuits, 750 packs polymères et 900 nanospores. Et il met 12 heures à être crafté. C'est plastide, 900 plastide. 900 plastides. Ah oui, c'est pas des nanospores, c'est des plastides, autant pour moi. Donc c'est une arme silencieuse, comme tous les arcs. Qui ne fait donc pas de bruit et qui vous permet de jouer un petit peu en stealth si vous avez envie. Donc, on va tout de suite parler des dégâts. Donc, elle inflige des dégâts tranchants. 90 points de dégâts tranchants, 5 de perforation et 5 d'impact. Donc, vraiment très, très orienté dégâts tranchants. Et là, tenez-vous bien votre chaise, votre fauteuil. Votre cave, elle a 50% de chance de critique de base. Base. Boum! Ça c'est dit. Ça c'est dit, 50%, allez hop. Avec un multiplicateur de critique de 200%. Ce sont des statistiques absolument ahurissantes. Ouais, Bon, c'est c'est un petit un peu arc, donc ouf. c'est du mono munition, mais il n'empêche que de base, une chance sur deux que votre flèche soit critique et fasse deux fois plus de dégâts. Hein. Généralement, la tangente multiplicateur de dégâts, c'est 150% et pas 200. Et en plus de ça, 20% de chance de statut, ce qui est aussi énorme. Même si c'est un arc et que c'est munition par munition, ça reste énorme. Donc j'ai pas fini avec les bonnes nouvelles. Un temps d'armement de 0,5 secondes. Donc quand vous maintenez le clic enfoncé, le temps de rigole pas Ghost Mort ni Doc, le temps de bander l'arc, ce sera 0,5 secondes, ce qui est aussi vachement rapide, parce que le Paris, je crois c'est le plus lent le Paris pour bander l'arc. Et un temps de rechargement enfin de remettre d'encocher une nouvelle flèche dans l'arc de 0,8 secondes. Voilà. J'ai toujours pas fini avec les bonnes nouvelles. Vous aurez crafté le Dread, vous aurez deux polarités en V dessus, d'emblée direct cadeau. Donc ça fait super plaisir cet arc-là. Voilà, et donc une vitesse de projectile de 70 mètres secondes, mais bon ça après vous le verrez, c'est au feeling. Et 72 munitions, je crois comme tous les arcs, hein, c'est 72 flèches dans votre carquois. Voilà grosso modo pour les stats. Comme le Paris, comme c'est une arme tranchante, bah elle va passer au travers des ennemis et donc vous pouvez faire une brochette avec si vous avez de la chance. Et
Je peux dire d'autres dessus. C'est tout, je pense. T'es toujours là, White. Je crois qu'on a perdu White. Eh ben, c'est pas grave. Donc, il faut que je meuble tout seul maintenant, hein. Ah là là. Ouais, donc le build, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez que moi je savais pas avant d'avoir le dread, c'est que donc 50% de chance de critique, c'est une valeur qui est géniale de base. Donc on peut se dire on va très rapidement arriver au 100% de chance de critique. Et vous avez raison. Avec un petit mode, on peut arriver à 100% de chance de critique. Mais le truc que j'ai appris, il nous a mis un white, oui, il nous a mis un blanc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aller au-delà des 100% de chance de critique. Et donc, ça fonctionne comme le multishot en fait. Si vous arrivez par. Je crois que moi je suis à 120% de chance de critique, ce qui fait que j'aurai systématiquement un coup critique. Donc un coup critique jaune, puisque quand vous faites un critique, c'est la couleur jaune. Et donc les 120%, il reste donc 20%, ce qui fait que ces 20%. Là, c'est 20% de chance de critique, de ce qu'on appelle le critique rouge. Donc là, par contre, c'est là que j'aurais besoin de toi, White, c'est que je ne sais plus à quoi est équivaut le critique rouge, de combien est le multiplicateur de critique, mais vous allez avoir donc une chance sur 5 de faire un critique rouge, et c'est extrêmement violent, hein. Alors, je lis juste le chat là, parce qu'apparemment j'ai loupé 2-3 épisodes. Un escatonnerre. Il y a un boss sur Terre, Gosmore. Gosmore, tu me dis qui est le boss sur Terre, tout de suite. Escatonnerre, le dread, je le monte pas, le pari, c'est tellement mieux. Non mais escatonnerre. Tu peux pas dire que le pari, c'est mieux si t'as pas monté le dread. Tu sais pas ce que vaut le dread si tu l'as pas monté. Alors oui, Escatonner, même avec le Paris, le Dread, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'aura pas des dégâts de base mirobolants, mais il y a ce critique rouge qui fait des dégâts abominables. Abominables. Et ça, le Paris ne peut pas avoir de critique rouge, il me semble. Ni le Paris Prime. Après, White, s'il revient un jour, là, s'il se remet de sa crise d'épilepsie, il va vous montrer, lui, il a un dread 4 formats. Donc c'est un petit peu violent. Ah oui, d'accord, Gosmore, c'est Vayek, le boss de la Terre. Non, mais. Moi, je te parle des boss qui sont faisables comme ça, la cache directe. Il y en a pas sur Terre. Le Paris peut aller au critique rouge? D'accord. Je savais pas. Bonsoir à toi, Kenson. Kenson 971. Salut. Alors, juste pour ceux qui viennent d'arriver et qui savent pas ce qui se passe, on a juste perdu le streamer. Moi, je suis juste sur le TeamSpeak en fait. Donc voilà, je crois que le streamer a fait un AFK rapide, peut-être quelqu'un qui a sonné ou on sait rien. Il revient. Donc voilà, si bah justement là ça discute du dread, du Paris, mettez-moi vos builds de dread, on va en discuter tout de suite si vous en avez. Oui, Ghostmore, c'est un boss, mais. Non, je vais peut-être pas le dire parce que je crois que c'est une connerie. Mais il me semble que les boss que tu fais en accès clé, tu n'as pas de Bally Stalker, il me semble. Si, tu en as. J'en ai une pour les Fantis l'autre jour. J'ai rien dit. Le Paris Prime est un peu plus puissant en DPS, mais le Dread a des projectiles plus rapides. Oui, ça c'est vrai qu'il a des projectiles plus rapides. Après, il faut pas oublier que il fait des dégâts tranchants, qu'il a une bonne chance de statut. Et que. Une bonne chance de statut par rapport au Paris. Hein. Attendez, je vais ouvrir la page du Paris. Parce que le Paris, je suis plus sûr maintenant.
Évidemment, je sors le Paris Prime, hein. Donc, le Paris Prime en stats, il a 1% de chance de statuer, effectivement. Il n'a que 45% de chance de critique. Il a un temps de recharge plus long. Il a autant de dégâts, en fait. Sauf que lui, il est plus axé perforation. Il est plus axé perforation. Ah, il est beaucoup plus lent à tirer, hein. Il est beaucoup plus lent à tirer. Pas beaucoup, non, pas beaucoup, mais il est plus lent à tirer. Re, désolé de Re-White, y a pas de souci, l'AFK. C'était c'est pas un grave, coup de c'est fil pas grave, important. y a pas de problème. On était justement en train de comparer le Paris Prime et le Dread, justement, en attendant que tu reviennes. Qu'as-tu dit? Bah, tout le monde dit que le Paris Prime, c'est what the fuck, il est trop mieux, trop bien. Je regarde le Paris Prime, je regarde les stats, il a déjà C'est une pareil, en capacité. termes de dégâts. Enfin, Alors, sur le oui, wiki, il y a marqué Physical Damage. Physical damage, en fait, c'est la somme la la somme somme des impact, tranchants, perforant puncture, et impact. voilà, c'est pareil. Et le problème, c'est que moi, le pari, je suis d'accord avec vous que ça peut être équivalent, voire peut-être un peu mieux, mais le Dread est plus spécialisé tranchant. Il a 90 de tranchant, alors que le Paris n'a que 80, et il compense les 20 qui lui restent avec le tranchant et impact. Il n'a que 20 de perforant, pardon. Et donc, du coup, le Dread est beaucoup plus spécialisé tranchant. C'est l'arme pour infester quoi. Vous tirez Et dans il un a. infesté, vous faites une brochette de 10, y compris l'ancien qui est derrière et qui va prendre une tatane, ou même directement un ancien. Ou se prendre une chasse, voilà. Et en plus de ça, le Paris, bon, il a deux polarités, mais ce ne sont pas deux polarités en V, c'est une en V et une en trait horizontal. Ce qui fait que le Dread de base, il peut déjà être plus puissant aussi, modé, puisqu'il a des polarités en V qui sont des polarités dites pour les dégâts. Donc voilà. Le Dread, il est sans polarité, je crois. Il est vanilla. Attends. Ah, c'est peut-être la page qui a pas chargé. Pardon, j'ai rien dit. Il y a des. Alors, Vatianda qui nous met un build pour les armes. Je mets d'enclure, gros calibre, frappe tendue, perception vitale, chambre divisée, gâchette rapide et deux modes élémentaires suivant la faction. Si on joue élémentaire, ouais, c'est. Ouais. Non, c'est. Ben, je crois que c'est à peu près ce que tu as, non? Après gros calibre, ouais, je regardais ce que j'ai, mais c'est vrai que Bah, je crois qu'en j'ai un fait la problème avec, combo avec gros calibre en gros fait. calibre et chambre divisée, du coup le multishot, Le la flèche du multishot multishot est très affectée par gros calibre, il me semble. Donc si c'est tu vises bah assez loin. au départ j'avais, enfin j'avais assez l'habitude parce que bon les arcs, j'étais avec le Paris, donc le Paris il arc, enfin il y a une munition qui tombe assez rapidement. Ouais. Donc j'étais assez habitué, on va dire, de la chose. Donc j'avais commencé à modder le Dread bah, sans gros calibre. Et puis un beau jour, je suis allé mettre un gros calibre dessus. Bon, 105% de dégâts, moins 35, je crois, c'est moins 35, moins 36% de Moins précision. 36, ouais. Et là, ça a été vraiment l'anarchie, quoi. Ouais. Ensuite, Wayne, sur le Dread, j'ai trois formats d'enclure, chambre divisée, force maligne, gâchette rapide, porte-tempête, fusillade de crocs, perception vitale et frappe tendue. Fusillade de crocs, ça doit être le dernier mode de Ouais, c'est le perfo, mais dernier mode de perfo, ouais. c'est vrai que la présence de ce mode-là, il inverse un petit peu la balance. Mais après, ce qui ne fait pas inverser la balance, c'est le fait de la spécialisation de l'un et de l'autre, en fait. Ben oui, comme disait Scatonner un peu plus haut, on n'a pas de mode de dégâts tranchants comme ils ont fait pour l'event, pour avoir les modes de dégâts de perfo. Donc du coup, le Dread va avoir un sacré up quand ces modes-là sortiront. Ouais, si, ouais, Parce que là, forcément. forcément, pour l'instant, là, avec les modes de perforation actuellement, J'ai le envie de Paris dire, a un avantage. ça serait limite l'occasion de virer pour moi gros calibre et de rester sur. Clairement. Parce que Pour pas voilà, avoir de je malus et supporte pas, enfin, je sais pas que je supporte pas, mais j'ai du mal à. Vous êtes malsains les viewers, hein? On fait un talk show sur le Dread et vous nous obligez à parler du Paris. Brrr, pas Bla! gentil. Non mais On va faire c'est le vrai build vite que. fait, du Ouais, coup. c'est vrai que c'est Oula. difficile pour le Dread, étant donné que le Dread est un arc et que c'est une arme bien spécifique, c'est un type d'arme bien spécifique dans le jeu, il n'y en a pas 36 des arcs, il y en a 3, hein. Il y a le Cernos, le Paris et le Dread. Voilà, c'est tout. Après, on peut mettre la Tika encore dans le lot parce que il a une corde et ça tire des flèches, mais voilà. Il est aussi considéré comme un arc dans le sens où on peut mettre coup de foudre dessus. Coup de foudre Ouais, qui est c'est juste ça. spécifique aux arcs. Mais sinon, voilà.
Donc coucou à tous ceux qui sont arrivés entre-temps, c'est vrai qu'on a des nouvelles têtes, White. Tu vois, dès que tu t'en vas, il y a des gens qui viennent, c'est génial. Ouais, on est Célia 199, Kenzan 971, et voilà. Et Voilà. Doko que j'ai pas mémoire de l'avoir vu de sitôt, mais merci à vous les gars. Ouais, merci Ça fait d'être là, ça fait plaisir. plaisir. Voilà, d'ailleurs, faudra que je parle à la fin du stream. On a un petit peu modifié le calendrier. Vous pouvez voir le calendrier en dessous Ouais. de l'affichage, enfin de notre fenêtre Twitch. Le mardi et le jeudi, on ne fera plus de LF Void. On fera quelque chose de différent, qui sera un peu dans le même esprit, mais on veut encore plus vous impliquer. On veut encore plus que vous vous sentiez à l'aise avec nous et que vous vous sentiez pas délaissé. C'est-à-dire, nous, on est en haut, on stream, on est les rois, et vous êtes en dessous, vous regardez comme des groupies. On veut vraiment se mettre tous sur un même pied d'égalité entre guillemets et vous permettre de participer le plus possible à la chaîne des flibustiers en tant que viewer, donc j'en parle à la fin. Voilà, donc pour le build, alors moi je vois plein de polarités sur ton dread, qu'est-ce que c'est que ce dawa? 4 formats, mais t'es fou! Quatre formats, ouais. Quatre formats, ouais. Ah ouais, lorsque t'as des chambres divisées, des dentelures, des tout ce que tu veux. Ah non, c'est calibre pénétrant pour. C'est calibre pénétrant Pour la perforation. le truc perforation. Et il avait dit quoi? Fusillade de crocs? Fusillade Euh... de crocs? Qu'est-ce que c'est que ça? ah oui, est-ce que tu veux bien nous éclairer du coup, fusillade de croc, ça J'ai je... jamais entendu ça, c'est un truc de ouf. Ou sinon c'est un fusillade de crocs. C'est un mode québécois? Non, mais si tu l'as pas, tout simplement, admets que tu n'as pas tous les modes du jeu Non, non, encore. je les ai pas, il m'en manquait à sacré. Enfin, ceux qui étaient pendant les events principalement. Dégâts tranchants de 120%. Bah, calibre pénétrant chez moi. Bon. C'est bien ce que je pensais, mais c'est bizarre. Calibre pénétrant à la maison. Il y a Joko qui nous dit qu'il est un nouveau joueur sur Warframe, donc il regarde pas mal de streams pour apprendre et comprendre le fonctionnement du jeu. Alors tu peux venir nous voir tous les soirs, le lundi, le mercredi et le vendredi soir à partir de 17h30. On commence les talk shows, on prend une Warframe et une arme et on en discute à fond. On décortique et on en parle. Et donc tu es le bienvenu. Voilà, et puis au pire des cas, il y a les diffusions précédentes qui sont sur YouTube si tu as envie de Voilà, voir une arme notre. qui est passée que forcément on ne refera pas dans le futur, enfin pas de sitôt, hein, parce que bon, avec les mises à jour, on est Oui, amené là à y on n'arrive pas à reprendre quoi. suivre. Donc on a des replays sur notre chaîne YouTube, je t'invite à aller voir. On a la playlist Warframe et puis tu verras. Tu verras, on parle de Warframe et d'armes qu'on a déjà décortiquées. Ouais. Donc le build, bah moi je l'ai formé 4 fois. Je dois bien avouer que ça valait bien le coup quand même. Ça valait bien le coup. Pourquoi? Bah parce que dentelure, champ divisé, gros calibre, ça prenait vraiment trop de place dans mes builds. Bon, gros calibre, je vais vraiment le mettre parce que c'est un pourcentage. Enfin, tous ces formats, ils sont principalement pour placer justement tout ça. Même si on aurait pu faire autre chose. Il faut savoir que tous les modes de cadence de tir en fait, parce que les modes de cadence de tir, on va se dire ouais, c'est quoi cadence de tir lorsqu'on tire des flèches? C'est la vitesse à laquelle vous bandez l'arc. Exactement. Et lorsqu'on les a un petit peu tous en même temps, mais chose qu'on va pas faire, mais vous pouvez vous amuser toujours à faire un build avec ces trois modes-là en particulier. Il s'agit de la charpie qu'on a vue à l'instant, voilà. Il y a ça. Il y a les mains rapides, si je le trouve. Parce que je ne le trouve pas. Ouais, c'est parce que c'est sur notre polarité, bien sûr. Il y avait mains rapides, et puis. Speed trigger, gâchette rapide. Ah, la cadence de tir aussi qui permet d'augmenter tout ça, et apparemment on peut armer la flèche quasiment instantanément avec ça. Donc j'ai pas encore testé, mais ça m'amuserait bien de le faire, on va dire. Ça pourrait être, parce que c'est vrai que une seconde pour armer une flèche, c'est quand même assez balèze quand même, et ça permet pas de s'occuper de 10 mobs en même temps qui arrivent de quelques côtés différents quoi. Oui.
Donc, pour le build, on va Allez, vas-y, commencer par ce envoie. qui coûte le plus cher, hein, parce que c'est les formats, ils sont faits pour ça. Chambre divisée, la base, du tir multiple, c'est toujours ça. La dentelure, le gros Je clé parlais aussi libre. du critique rouge tout à l'heure, mais comme moi j'ai pas vraiment exploré cette piste-là, il faudra que tu expliques ce que c'est le critique rouge, enfin, à quoi ça équivaut en termes de dégâts par Oh rapport au critique là! jaune. Hein. Est-ce que C'est tu. un autre calcul, le crit rouge. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas un x2 ou un x3. Enfin, le x2 c'est le crit. C'est pas aussi simple que ça, le calcul du crit. Enfin, spécifiquement du crit rouge, parce que je pourrais pas le dire non plus. C'est le crit rouge. Tout ce qu'il faut sortir de la tête, c'est pas un x3 ni un x4. C'est plus compliqué que ça. C'est plus Enfin, en compliqué tous que les ça. cas, C'est un autre. un critique rouge, ça met une avoine littérale énorme sur les mobs. Hein. Ça, Non, je me parfois pas rappelle. tant que ça. Ça dépend. Ça dépend Oui, du non, c'est mob sûr après. sur les Fantis, oui, mais. Alors, on est déjà à 1162 de dégâts. De dégâts tranchants. On va mettre une frappe tendue, et c'est là que la magie opère, vu qu'on est à 125%. 125% de chance de crit. Et honnêtement, parce qu'il existe des mods qui permettent d'augmenter ceci, notamment le mode qui s'appelle délai critique. Moi j'ai pas monté à fond, il augmente de 40% supplémentaire. Ça ferait du 145%, honnêtement, ça vaut pas le coup pour nerfer la cadence de tir. Bon après si vous êtes un petit peu perfectionniste du DPS éventuellement faudrait que je teste quand même sur des boss comme les Fantis ça mériterait quand même de voir qu'est-ce que ça pourrait donner en fait mais c'est pas l'ordre du jour pour ça j'ai l'habitude de placer une perception vitale aussi de placer un marteau pilon. Alors, perception vitale pour les dégâts critiques, ça augmente le multiplicateur critique, on le passe à 4,4. Et marteau pilon, on arrive à 5,6 de multiplicateur critique. Parce que là, on va faire des critiques sur critiques, donc forcément, c'est un multiplicateur du DPS. Et donc 5,6, on arrive à des résultats assez corrects. Il nous reste une polarité entrée. Une polarité entrée que je crois que j'avais mis feu des enfers dessus. Et après, ben après j'ai envie de dire c'est un petit peu libre à vous. Parce que bon c'est vrai que avec une polarité entrée, principalement, j'ai l'impression que. Ouais. Enfin c'est pas une impression. Lorsqu'on rajoute des polarités entrées, c'est qu'on ouvre un petit peu la voie vers tout ce qui est élémentaire. Sur les polarités entrées, vous avez chargeur infecté, vous avez porte tempête, vous avez feu des enfers. Et c'est tout parce que le mode de glace balle cryogénique est en polarité en D. Donc si vous avez envie de faire un petit peu d'élémentaire, bah, il faut piocher, il faut rajouter une polarité entrée. La polarité en D, c'est la polarité que je déconseille le plus souvent. Il n'y a pas grand-chose qui s'y prête. Donc après, tout dépend de ce que vous souhaitez, à vrai dire, comme dégâts. Vous pouvez traîner avec une force maligne qui augmentera aussi vos chances de statut. On est déjà à 46%, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Après, est-ce que jouer un élément sur le Dread, ça sert vraiment avec, étant donné qu'elle fait des dégâts tranchants, avec une bonne chance de statut, si on booste la chance de statut, on peut arriver sur du saignement aussi, du coup? Est-ce que ça. C'est une question, hein. Je suis pas en train de remettre en cause. C'est vraiment une Ouais. question sincère. Est-ce que ça vaut le coup de mettre des éléments, ou alors est-ce qu'on peut se dire, on va garder le saignement, puisque tout ce qu'il y a dans Warframe peut saigner, donc. Ouais. Mais c'est vrai, on peut même faire saigner un robot, sans déconner. Ma foi. Bah oui, c'est utile. Ça fait proc des. Ça fait certains procs. Il faut pas oublier que ces procs de dégâts ont une influence. ont une influence et ont des petits plus-plus ou des plus-plus-plus qui correspondent à des plus 50 ou plus 75% de dégâts sur tel ou tel mob. Donc honnêtement D'accord. c'est très
c'est très intéressant à placer, quoi. D'accord. Alors Bon. bon, j'ai la chance d'avoir une autre tension parce que je l'ai looté pendant le dernier event qui faisait looter, mais c'est sûr que c'est un mode qui est un petit peu délicat, qui est un petit peu délicat. Ça permet de faire des dégâts de radiation à hauteur de 1936. Là, tu vois quand même que l'élément quand même il est différent parce qu'on est à 1162 de dégâts tranchants, Jay. Et on est à 1900 de dégâts élémentaires. Ça permet d'aller au-dessus, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc on a le choix. J'ai pas monté tous les modes en question. Vous pouvez choisir de faire. Merde, ça c'est la même chose. Je suis un petit peu con. Faire des dégâts de gaz, de faire des dégâts explosifs. J'étais parti sur les dégâts explosifs parce que c'est vrai que ces modes-là, en fait. C'est pas dramatique, on était monté à 50% de chance de statut. On est redescendu à 46. C'est pas 4% qui vont un petit peu jouer dans notre capacité à faire du DPS. Et moi j'aime bien ces modes-là parce qu'ils permettent vraiment d'aller assez haut. D'ailleurs, je vais en monter peut-être un autre du coup de balles cryogéniques parce que je pense que celui-là, il est associé à d'autres armes et j'ai pas envie de bouleverser un petit peu mes modes, donc je vais faire un doublon. Ouais. Donc voilà, on arrive à un cumul assez sympatoche de dégâts. Voilà, le temps de faire un bal cryogénique maxé. Et nous arrivons à 2325 de dégâts d'explosifs. Alors moi j'aime bien les dégâts explosifs parce que c'est du contrôle. C'est du contrôle. Hein. Si le mob n'est pas descendu, au moins il sera à terre. Différent sur des vagues un petit peu hautes ou sur du void avec des mobs niveau 70. Il m'est arrivé de chaîne stun, de laisser à terre le mob. Le mob il est à terre, il se relève, il s'en reprend un coup de blast, il est à terre, etc. C'était un mitrailleur qui était assez haut level et j'ai mis un chargeur. Bon, c'était avec le HEC. Mais bon, pour peu que vous ayez des taux de proc assez intéressantes de statut, bah vous pourrez faire proc le blast assez souvent et vous pourrez tranquillement faire un mob de haut niveau sans prendre une seule baffe derrière, quoi. Donc voilà, petite démonstration vite fait. Une démonstration, c'est parti. Si vous avez des questions, faut les envoyer. Et puis. Faut les envoyer. Et Escatonner, es-tu là? Pourquoi lui? Kenson qui demande si t'aimes les dégâts explosifs, pourquoi est-ce que tu ne mets pas coup de foudre? Ah mais c'est pas pareil, dégâts de blast et dégâts explosifs c'est pas pareil. Le mode de coup de foudre permet de faire en gros des dégâts d'AOE en fait, hein. Ça fait proc une explosion. Dégâts blast c'est vraiment le dégât qui va renverser tout le monde quoi. Mais le coup de foudre fait des dégâts en AOE mais il ne renverse pas. Auquel cas ça aurait été un mode absolument surcheaté que tout le monde aurait voulu avoir. Mais c'est pas le cas. Donc voilà, tu voulais parler du remplaçant de l'Ev Void? Oui, je voulais parler de. Alors, le mardi et le jeudi, d'habitude, on faisait du LF Void. Donc, le principe, c'était deux viewers qui venaient avec nous sur le TeamSpeak et qui étaient en live et on faisait une clé Void. On a tout simplement décidé de pousser le truc encore plus loin. On a appelé cet event-là le You Decide. Donc, c'est vous décidez. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que. On va inviter les gens, enfin je vais inviter dans ma liste de contacts sur Warframe tous les gens qui mettront leur tag sur le chat. Et si vous êtes présents donc le mardi ou le jeudi sur notre stream,
J'inviterai au hasard, mais alors vraiment au hasard, on fera peut-être même un petit spin pour les. C'est loin à faire un spin là comme t'avais fait pour. Non, c'est pas très Non? loin. Donc on fera très rapidement un spin avec les joueurs, les viewers présents. Et on prendra deux viewers au hasard. Ces viewers viendront sur le TeamSpeak et nous proposeront quelque chose à faire. Donc de 17h30 jusqu'à 19h. C'est vous qui décidez de ce qu'on fait et on vous accompagne et on le stream. Toujours dans Warframe bien entendu, hein, aller danser à poil dans la taverne de l'auberge de World of Warcraft, on s'en tamponne, hein, c'est pour jouer à Warframe. Donc voilà. Donc c'est vous, on veut vraiment vous impliquer les viewers parce que bah, sans vous on fait pas de stream. Hein, pour vous remercier, pour vous encourager à venir et à vous intéresser à ce qu'on fait, ben, on vous invite et on vous laisse décider deux fois par semaine de ce qu'on fait. Et je vois que tu sors des critiques rouges assez violents quand même. Hein. Oh, et c'est souvent plus des critiques orange normaux qui. J'en ai un qui est passé à 100 000. Ouais, j'ai vu ça, oui. Ah! Alors, fait intéressant que j'adore. Le 1 de Messa avec un arc, ça fait une détonation de fusil. Après, si vous en avez marre, honnêtement, il y a un truc que je me suis aperçu que, au bout d'un moment, c'est. Ça sert à rien de charger. Tirer des flèches rapidement, ça marche tout aussi bien. Bah, les flèches en fait font pas moins de dégâts si vous ne les chargez pas, c'est juste qu'en Si, fait la si, si, précision. si. C'est Une flèche pas. normale, ça vaut 100, une flèche chargée, ça en vaut 200. Ah, c'est aussi fort? Ah, il me semblait que c'était beaucoup moins fort. Enfin, que c'était beaucoup moins. Comment dire que le coefficient était beaucoup plus faible. Ah, bordel. C'est surtout pour une histoire de comment dire une histoire de précision. Vous avez une très mauvaise précision si vous chargez pas le tir et votre précision est extrêmement forte si vous chargez quoi. Arena, les streams d'Isaac reprendront un jour ou pas? Pas cette semaine en tout cas parce que j'ai pas les fenêtres de j'ai pas les comment dire les cadres horaires qui s'y prêtent. Mais ça reprendra, ne t'inquiète pas. Ça reprendra. Donc une autre nouveauté aussi, j'en profite pendant qu'on est tous ensemble là. On va aussi lancer maintenant deux soirs par semaine le jeu de la semaine. Donc on choisit un jeu accessible à tous pour l'instant. On va essayer de rester sur des free-to-play. Cette semaine, ce sera Dead Island Epidemic, qui est en bêta fermée, ouverte, pardon, qui est en bêta ouverte et qui est free to play en téléchargement sur Steam. On va streamer donc le mardi soir. Non, c'est 3 soirs par semaine. Le mardi soir, le jeudi soir et le vendredi soir à partir de 21h. Et le samedi, on fera une espèce d'event, pareil. On invitera peut-être des viewers à venir jouer avec nous samedi soir et on essaiera de faire quelque chose de sympa, de marrant, de rigolo, vraiment pas prise de tête, comme des fois on peut faire sur certains streams un peu plus sérieux, où il faut vraiment qu'on sorte du gros skill bien lourd. Quelque chose d'assez sympa, bonne ambiance, voilà. Surtout qu'on se rapproche de Noël, là on a un esprit un peu plus festif. Et puis merde, les flibustiers, ça aime bien faire la fête, non? Notamment. Notamment. Ouais, un petit peu chaud quand même, sans avoir de point de vie de régène de PV. Bon, ça passe quand même. Voilà.
Et 19h. D'ailleurs, si vous avez un jeu à nous proposer en gratuit, sur lequel vous êtes assez impliqué dessus ou que vous trouvez intéressant, Oui, proposez-les aussi. enfin moi personnellement, je sais que j'en ai testé un certain nombre, mais je les ai pas tous testés déjà. Donc voilà. On est toujours à l'affût de la perle rare. Bon, Jackie, sur ce, Bah sur ce, je pense qu'on a fait le tour on des a fait le tour, questions, ouais. je pense. Donc voilà, Du skill, certains flibs en ont. Ben, Natui, toi étant un flibustier, je te retourne la question. Auto-tente. Non, mais bien sûr qu'on a du skill, c'est juste qu'on n'a encore jamais vraiment eu l'occasion de vous le montrer. Oh bon, la Dead Island Epidemic, ça c'est pas vraiment le jeu grosse prise de tête niveau skill, hein, j'ai l'impression. Tu retrouvais en partie avec des gens qui avaient déjà des personnages que tu peux pas obtenir, soit tu dois farmer pour les avoir, soit tu les achètes avec du cash, mais avec de l'argent réel, mais c'était quand même un petit peu laborieux, hein. Et je regardais pas vraiment les stats vu que je jouais un healer dans le tas, enfin une espèce de support qui peut lâcher des heals, donc c'est sûr que j'allais pas avoir un gros score niveau zombie tué et tout ça, mais voilà, je veux dire, c'était une jolie flaque de morve verte, je sais pas, mais moi dans mes mécaniques de jeu, mon cerveau qui est un peu un cerveau de gamer, dans la mécanique de jeu, tu as un truc gluant vert craché par un ennemi, bah tu vas pas sauter dedans joyeusement quoi. Tu Flac. vas te dire, je vais plutôt le contourner, quoi. Flac. Et voilà. Non, mais Arena, j'ai pas donné ton vrai nom. J'ai juste dit que tu étais un flibustier, mais je n'ai pas donné ton vrai nom de flibustier. C'est vrai que tu es incognito. Mais bon, si t'as honte d'être un flibustier, voilà. Oh La là, merde. boule. Non, il faut pas. Voilà. Bien, 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 Stalker. Bon, bah sur ce, on Eh va ben, profiter on va vous souhaiter une bonne soirée. Y a rien pour d'autre ce clore. soir. Non, non, Y a rien d'autre. Donc ça commence à partir de demain. Donc n'hésitez pas à vous pointer demain avec des petites idées de choses à faire, hein, tout en sachant que ben, on commence à 17h30, on essaye de finir aux alentours de 19h. Donc vous venez, vous mettez votre tag Warframe. On joue sur PC, hein, pour ceux qui sont nouveaux sur le stream. On joue sur PC, Vous pourrez pas nous rejoindre si vous êtes sur PS ou sur Xbox, malheureusement. malheureusement. Et voilà, donc n'hésitez pas, vous venez. Même si vous êtes débutant, hein, je pense notamment à Joko qui a dit qu'il commençait le jeu. Ben, tu peux venir, tu proposes quelque chose et on vient. Maintenant, tu dis, ben, je sais pas, j'ai envie de monter ma Warframe niveau 30, ou j'ai envie d'aller farmer telle ou telle ressource. Et ben, on y va. Même si ce sera peut-être un petit peu pompeux, pas pompeux, laborieux sur le stream, et ben, ne vous inquiétez pas, on meublera. Il y a toujours un quiz qui est en route, je le rappellerai demain. Et voilà. Il y a une question qui est en route, il y a 5 heures de fusion dorée en jeu. Ah, trop. Voilà. Ok, bah sur ce, moi j'ai plus grand chose d'autre à dire. Il n'y a pas d'autres questions généralement. Escatonner n'a pas l'air d'être revenu. J'avais quelque chose à dire. Bah, je vais le dire quand même s'il n'est pas là. En fait, avec Escatonner, vendredi, on a eu un débat sur le speedrun en général. Hein, on parlait pas de Warframe.
C'est parti de Warframe, mais on a parlé du speedrun en général. Donc Escatonner apprécie beaucoup le speedrun, et moi je n'aime pas du tout ça en fait, le speedrun. Et j'étais pas capable d'expliquer pourquoi je n'aimais pas le speedrun. Et donc j'avais promis à Escatonner que j'allais un petit peu regarder quelques speedruns ce week-end, chose que j'ai faite. Donc j'ai regardé notamment celui qui m'a fait prendre ma décision, c'est le speedrun de Resident Evil 2 qui est sur jeuxvideo.com. Et en fait. Donc pour ceux qui auraient suivi le débat, si je n'aime pas les speedruns, c'est tout simplement parce que je suis quelqu'un qui apprécie énormément le roleplay. Par exemple, dans un jeu vidéo, quand il y a du RP sur un jeu, généralement j'en fais un petit peu, j'aime bien ça. Et je trouve qu'un speedrun, ça enlève complètement l'essence du roleplay d'un jeu. C'est... Merci, hors sujet Spotted. Bref, voilà, donc je trouve que le speedrun ça dénature complètement le lore, l'essence du jeu, jusqu'au gameplay même. Hein. Après, il y a certains speedruns où il y a carrément le gameplay qui est dénaturé. Je parle pas même nécessairement des speedruns où on cherche les glitches et les bugs, mais voilà. Je veux dire, par exemple, dans le truc de Resident Evil 2, ça va jusqu'au gameplay dans le sens où le mec va aller se faire mordre exprès par un zombie parce que ça va l'avantager dans un truc ou dans un autre, quoi. Matanda, le speedrun, c'est nul, mais quand même, aller un peu vite, ça va. Oui. Heureusement que Cosmore et Doc ne sont plus là parce qu'avec leur truc speedrun, aller un peu vite, machin, là, il y aurait eu un bon truc Peggy 18 là, ça aurait été Ouais, terrible. ça aurait été terrible. C'est bien. Enfin bref. Heureusement qu'on a trouvé un congélo assez grand pour eux deux. Oui, voilà, après moi je saluerais la performance. Comme je dis, j'ai vu le speedrun de Resident Evil 1 et là donc du coup de Resident Evil 2. Ce sont deux jeux qui ont bercé mon adolescence. Enfin, bercé, des jeux d'horreur. Bref, oui, c'est assez bizarre qu'il dit comme ça. Donc du coup, j'ai énormément de respect tout en sachant que je sais pas, le Resident Evil 2, il m'a fallu, juste pour faire le scénario de Léon, le premier scénario de Léon, il m'a fallu des semaines pour le faire parce que je jouais des petites parcelles, une heure par-ci, une heure par-là. Et là, le mec, il le fait en 64 minutes, je crois. C'est juste énorme, quoi. Mais voilà, ça enlève complètement l'intérêt de l'histoire du jeu, quoi. Bref, voilà, j'ai fini avec ça. Bah du coup, White, on va se souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à toi. Et à demain pour 17h30. Hein. Retenez bien la nouvelle heure, c'est 17h30. 17h30. À demain. 17h30. À demain. Tchoup. Bisous.